Donc dans cette zone, au berceau de l'hiver, juste là, qui se trouve en Kalimdor, vous allez trouver des camps. Des camps de pompes d'hiver. Il se trouve que ces très chers tombes d'hiver qui n'ont rien demandé à personne ont une particularité. Ou en tout cas, lui, le grand chef tombe d'hiver qui se trouve sur ce camp-là, le premier camp, c'est que quand tu lui maraves sa tronche, il te donne ceci. Eau de feu des tombes d'hiver augmente votre puissance d'attaque de 3 ainsi que votre taille pendant 20 minutes. Cette potion se vend 64 PO à l'HV. Et il y en a 79 vendus par jour. Vous pouvez tous les buter en croisant les doigts pour l'avoir. Ou vous pouvez juste rester planté ici et attendre toutes les, je sais pas, 2 ou 3 minutes qui pop, le tuer et recommencer. Et il drop à 100% la potion. Potion à 64 PO unité. Hop. Et voilà. Encore une deuxième potion. Donc si jamais vous avez du travail, ou si vous voulez vous mater une série tranquille, ou si vous avez des trucs à faire et que vous voulez vous faire des PO sans vous prendre de tête, vous n'avez qu'à venir en Kalimdor au berceau de l'hiver. Vous venez dans cette zone, vous vous placez ici et vous attendez que le vieux y repop. Si jamais vous voulez être un peu plus actif, vous pouvez en profiter pour tuer les mobs qui se trouvent dans la zone pour récupérer les perles d'esprit tombivert qui se donnent au Grumgueule pour une réputation. Et en minant, vous avez la possibilité de récupérer des cristaux arcaniques sur les riches fillons de thorium qui ont une valeur de plusieurs centaines de PO. Je crois qu'actuellement ils sont à 200 PO l'unité. Il vient de repop, on le tue. Et encore une potion. Et on a eu quoi? Une prune. 192 PO. Vous avez un truc incroyable ici, c'est que les poissons, les gros sombres lunes, ils se vendent à 15 PO, 19 PO unité. Le truc, c'est que la pêche, là où c'est relou, c'est que vous avez votre temps de cast. Et parfois, il faut attendre la fin du cast pour avoir un poisson. Ça veut dire que là, si vous avez deux comptes, vous placez votre perso ici et un autre à Sombre Lune. Et pendant que vous allez pêcher, vous tuez une fois toutes les, je sais pas, toutes les minutes ou toutes les deux minutes le grand chef tombivert. Ça fait que, avec votre pêche, vous aurez vos poissons et vos potions de sombre lune, mais en plus, vous aurez ces potions qui se vendent assez cher, 64 PO unité. Et si vous avez la flemme de la foire de sombre lune, juste ça, ça vous rapportera plus que les poissons.